C'est du prêt-à-porter, vous pensez ? Non, il essaye de combiner des choses qui sont à la fois historiques, à la fois la mode. Voilà, c'est bon, ça se met à l'artiste respectable, c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais on doit le mettre en valeur là, bon, peut-être qu'il est complètement convaincu que c'est un artiste majeur. Oui, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Un choix. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruce Newman. Il n'est pas là. Il s'en fout complètement. Il s'en fout, je pense. Il s'en fout complètement. Et donc, votre classement, c'est Baselitz. Chrysophily. Oui. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ? Bon, évidemment, dans les pavillons Chiarusiota, puisque c'est ce que j'expose. Quel pavillon ? Japon. Ah, le Japon. Le Japon, Chiarusiota. Qu'est-ce que j'ai bien aimé encore ? Sarkis, c'est bien aussi, la Turquie. C'est hors biennale, mais c'est Liushka Odong, cet artiste et peintre de Pékin, qui a une série d'œuvres tout à fait extraordinaire. Voilà, je peux citer une vingtaine de choses qui m'ont. Vous avez vu la Belgique ? La Belgique, oui, j'y retourne là, parce que je voulais avoir une deuxième approche, et peut-être. C'était un peu confus, mais bon. C'est au moins il y a une tentative de mettre en valeur une idée à travers des œuvres, donc c'est pas mal. C'est une petite biennale à propos de la décolonisation. Non, globalement c'est une bonne biennale, ça, on peut pas mais ça manque. Ce contre quoi je lutte entre guillemets, c'est les œuvres d'art qui sont des petites idées. On trouve une petite idée et on la développe à l'infini. Une œuvre, c'est pas une idée. Je veux dire, l'artiste, en général, il sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas une petite idée, un grand artiste, il n'a pas une petite idée. Il a quelque chose en lui qui le porte, quelque chose qui le dépasse, qui comprend à peine. C'est clair. Mais il n'y a plus beaucoup d'artistes visionnaires. Il ne calcule pas. Je veux dire, Baselitz, il n'a jamais calculé de sa vie. Je ne sais pas si j'ai dit, mais Chrysophily sont des très beaux tableaux. Il y a quatre tableaux de Chrysophily qui sont magnifiques. Il y a le pavillon américain. Voilà, mais enfin, c'est un peu en marge de ce moment. Bon, mais aujourd'hui, tous les arts se mélangent, se confondent entre la peinture, la musique, la vidéo, la danse, tout ça. Oui, tout se mélange aujourd'hui. C'est un théâtre, un grand divertissement. Salut, merci. Au revoir.